Bonjour à tous, c'est Loan de Nitro. Je vais vous présenter la sélection Fixation Femmes 2018 chez Glee Shop. Donc sur les généralités, sur toutes nos fixations, vous allez avoir une bouclerie en aluminium et non en plastique. Vous allez avoir des ratchets qui vont être préformés pour pouvoir rentrer facilement pour serrer vos fixations, quel que soit le niveau de gamme. Je vais commencer par la rythme qui va être notre fixation entrée de gamme. Vous allez avoir une embase plastique avec un spoiler réglable, un pads en mousse et les attributs que je vous ai donnés avant. Ensuite, on passe sur l'Ivy où là vous avez une taille unique, donc plus facile à choisir. L'avantage, c'est que vous passez sur une embase deux pièces. Donc l'avantage de l'embase deux pièces, c'est que vous pouvez centrer parfaitement votre planche, votre boot et votre fixation pour avoir un maximum de confort sur votre planche. Donc l'embase de pièces, c'est une embase chargée en fibre de verre dans le polyamide de l'embase et un heel cup en alu derrière que vous allez pouvoir régler avec la vis qui est ici. Ensuite, sur cette fixation, vous avez un mini disque dessous. L'avantage du mini disque, c'est que vous allez limiter la surface de contrainte sur la planche pour que la planche puisse s'exprimer au mieux, puisque une planche de snowboard, c'est conçu sans la fixation. Techniquement, en plus, vous avez un spoiler asymétrique qui va être réglable, bien évidemment. Vous avez un strap haut de gamme ajouré pour plus de confort. Un strap avant que vous allez pouvoir mettre sur le dessus ou devant. Moi, je vous conseille de le mettre devant, qui va être réglable aussi. Et un amorti air pour avoir plus de confort quand vous faites du snowboard. Ensuite, sa grande sœur, la Poison, qui va être un petit peu plus rigide, polyvalente tout autant que les autres, mais un petit peu plus performante, va vous permettre d'avoir, comme sur l'Ivy, des guides crémaillère, une bouclerie alu. Par contre, vous avez la nouvelle technologie Micro Drive qui vous permet de pomper plus vite et d'avoir un réglage beaucoup plus fin. Dans les nouveautés, vous allez avoir un nouveau strap Vibram sur l'avant, toujours le mini disque, un amortière devant et derrière, alors que sur l'Ivy, on n'avait qu'un amorti arrière et une rigidité un petit peu supérieure à l'Ivy. Ces trois fixations vont être très polyvalentes. Vous allez surtout changer avec la gamme en rigidité et en confort. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Sinon, n'hésitez pas à contacter le magasin par mail ou par téléphone. Merci.